Bonjour à tous, vous avez envie de pêcher de belles coquilles Saint-Jacques et de vous régaler? Eh bien, il faut d'abord se renseigner sur la réglementation. Eh bien, c'est pas toujours facile, je vous montre ça tout de suite. On va essayer d'avoir des informations sur les coquilles Saint-Jacques. Direction départementale des territoires, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour Marc-André Mounier, excusez-moi de vous déranger troisième fois, mais tout à l'heure j'ai eu votre collègue, mais elle m'a dit que ce n'était pas le bon service, c'était plutôt le service littoral pour avoir les informations sur la pêche sous-marine. Oui, la pêche sous-marine je voudrais des infos sur la réglementation de la pêche sous-marine des coquilles Saint-Jacques. Peut-être le service littoral, non, où elle m'a parlé de ça. C'est le troisième appel quand même. Donc la première fois, ça a sonné dans le vide pendant 10 minutes. La deuxième fois, j'ai pas eu la bonne personne. On retente une troisième fois. Bon, je reviens, je vais me servir un café. Ça va, vous vous ennuyez pas? Oui, donc le mieux ce serait de rappeler Mon quand? collègue, il est là, hein. Après, je peux pas vous dire s'il est en ligne ou occupé, je peux pas savoir. Ok. Bon ben merci, je rappellerai plus tard. Pas de soucis, monsieur, bonne journée, au revoir. Au revoir. Moralité, pour avoir toutes les informations sur les réglementations département par département en fonction des différentes espèces pour la chasse sous-marine, je vous conseille fortement de vous abonner au site lechasseursousmarin.com. Vous allez gagner du temps et potentiellement ça vous évitera d'avoir des soucis ou de commettre des infractions et donc vous allez gagner aussi de l'argent. Et en ce moment, nous vous proposons une réduction sur l'abonnement. Je vous mets ça dans la description. À bientôt!